Le robot tondeuse Husqvarna Automower n'est pas une simple tondeuse à gazon. C'est un concept robotique qui vous donnera une pelouse parfaite tout en vous donnant plus de temps libre. Pour vous faire comprendre comment fonctionne le robot tondeuse, nous avons installé l'Automower dans un grand jardin. Nous vous expliquerons comment le robot fonctionne, comment se fait l'installation, comment le robot coupe l'herbe, qu'il s'adapte à presque tous les jardins, pourquoi la qualité de l'herbe s'améliore tant, et enfin les mesures anti-vol et sécurité. L'Automower Husqvarna est composé de trois éléments. Le robot, la station de charge et le câble périphérique. L'Automower Husqvarna tombe à l'intérieur d'une barrière électronique créée par un signal envoyé par la station de charge à travers le câble périphérique. Quand l'Automower s'approche du câble, il détecte le signal, il s'arrête et change de direction. L'Automower Husqvarna travaille de manière entièrement autonome et automatique. Quand la batterie est presque déchargée, il peut utiliser différentes méthodes pour retourner à sa station de charge. Il peut suivre le signal émis par la station de charge. Il peut suivre un câble guide. Ou le câble périphérique pour retourner se charger. Une fois la batterie entièrement rechargée, il se remet au travail sans votre intervention. Le robot alterne cycle de tonte et cycle de charge plusieurs fois dans la journée. L'installation d'un robot tondeuse demande un certain temps, mais n'est nécessaire qu'une fois pour avoir une pelouse toujours parfaite pendant des années. Nous vous recommandons de faire appel à un revendeur agréé Husqvarna pour réaliser votre installation. Il est formé à l'installation du robot sur tout type de jardin et effectuera ainsi les réglages les mieux adaptés. Il peut utiliser une machine à enterrer le câble afin de placer le câble périphérique à quelques centimètres sous terre. Le câble périphérique est posé autour du jardin pour s'assurer que l'automower ne travaillera jamais en dehors de cette zone définie. Le câble peut aussi être placé autour de massifs de fleurs ou d'autres zones que vous ne souhaitez pas tondre. Quand on place deux câbles l'un à côté de l'autre, le signal s'annule et le robot tondeuse peut passer. On a créé ce qu'on appelle des îlots. L'automower Husqvarna est équipé d'un capteur de collision. Quand il heurte un obstacle, il s'arrête et change de direction. Comme il est conçu pour résister aux chocs légers, certains obstacles comme des arbres de petite taille n'ont pas forcément besoin d'être délimités par le câble périphérique. Si votre jardin comporte des zones éloignées avec des passages étroits, des câbles guides peuvent être placés au sol pour guider le robot tondeuse dans ces passages. Certains modèles sont aussi équipés de la navigation assistée par GPS, ce qui garantit une couverture totale de votre jardin. Au début du test, nous avons réglé la hauteur de coupe du robot à son maximum. Comme vous le voyez, le robot tond selon un mouvement aléatoire. Ce système de mouvement permet au robot tondeuse de tondre efficacement sur la totalité du jardin, même dans les recoins difficiles du jardin, sous les buissons, entre les arbres, partout. Généralement, au bout de deux jours, toute la pelouse est tondue, suivant la taille de votre jardin. À présent, nous réduisons la hauteur de coupe du robot. Le robot tondeuse peut tondre sur des terrains complexes, pentes, terrains déformés et des obstacles temporaires comme les pommes de pin et des fruits ne posent pas de problème. Cependant, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre jardin afin de limiter au maximum ces obstacles pour obtenir une tonte efficace. Il est conçu pour fonctionner sous la pluie, indispensable si vous vivez dans une zone pluvieuse. L'automower Husqvarna est tellement silencieux qu'il peut fonctionner la nuit sans déranger vos voisins. Vous aurez le contrôle total de ses heures de fonctionnement. Par exemple, vous pouvez le régler pour qu'il ne tonde que la nuit. Et vous pourrez ainsi profiter de votre pelouse en journée. Vous pouvez faire ces réglages depuis l'écran du robot ou directement depuis l'application Automower Connect. Husqvarna a plus de 20 ans d'expérience en développement de robots tondeuses et a affiné cette technologie au fil du temps, ce qui rend l'Automower très fiable. Si vous n'êtes pas à votre domicile, la pelouse sera toujours entretenue en votre absence. Au bout d'une semaine, vous pourrez déjà voir une grande différence dans le jardin. Toute l'herbe est coupée,
et ne sera jamais plus haute que la hauteur de coupe que vous avez définie. C'est le point de départ du concept de tonte automatisée. Le robot tondeuse va maintenant continuer à travailler et couper constamment l'herbe au fur et à mesure qu'elle pousse, mais seulement de quelques millimètres à chaque fois. C'est de loin la manière la plus douce de tondre la pelouse et de prévenir l'apparition de mousse. Au préalable, vous tondiez probablement votre pelouse quand l'herbe était déjà haute et vous coupiez quelques centimètres. Vous utilisiez peut-être un bac pour ramasser l'herbe coupée. Malheureusement, cette solution supprime les nutriments naturels apportés par l'herbe coupée. Les brins d'herbe coupés par l'automower Husqvarna ne mesurent que quelques millimètres. Ils tombent au sol, se décomposent et servent de nutriments naturels pour votre pelouse. Comme l'automower dispose de lames coupantes comme des rasoirs, l'herbe est coupée de manière nette, ce qui améliore sa qualité. Aujourd'hui, il existe deux systèmes de coupe sur les robots tondeuses. L'un utilise une lame lourde fixe en acier avec une haute énergie cinétique qui arrache l'herbe, favorisant le jaunissement de l'herbe. L'automower est équipé de lames longue durée Husqvarna. Elles sont très solides mais fines. Elles ont un faible poids et sont pivotantes. Quand elles rencontrent un obstacle dur, elles se replient. L'automower possède plusieurs capteurs. Quand on le soulève, le disque de coupe s'arrête. Quand les capteurs détectent un obstacle quel qu'il soit, le robot tondeuse s'arrête et poursuit dans une autre direction. L'automower Husqvarna est protégé du vol de plusieurs façons. Un code PIN est demandé pour chaque intervention. Une alarme se déclenche immédiatement si le robot tondeuse est arrêté ou soulevé. Le robot tondeuse ne sert à rien s'il est volé car il ne peut fonctionner avec d'autres stations de charge. Si son vol est signalé, il sera mis sur une liste rouge. Certains modèles sont équipés d'un système de géolocalisation. Si l'appareil sort de sa zone de tonte, l'alarme se déclenche et des coordonnées de traçage vous sont automatiquement envoyées. Husqvarna possède une large gamme de robots tondeuses qui s'adaptent aux petits ou aux grands jardins. Tous disposent de la même technologie intelligente et ont la capacité de s'adapter à des jardins complexes. En bref, en installant un automower Husqvarna, vous profitez d'une pelouse ne nécessitant quasiment aucun entretien, belle et en bonne santé toute l'année.